Donner un point de vue, c'est ce qui compte, mais donner votre point de vue, c'est le plus important. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue à votre émission Point de vue, au cours de laquelle nous allons parler de l'alternance au pouvoir en République démocratique du Congo. 24 janvier 2019, 24 janvier 2021, cela fait jour pour jour 2 ans depuis que le pouvoir a été remis pacifiquement entre les mains de notre Congolais, qui est le président Félix Tshisekedi, par le président Joseph Kabila, qui est aujourd'hui président honoraire. Et nous allons en discuter avec notre invité, qui est tout autre que Monsieur Tchèque Fita. Il est journaliste, dramaturge et philosophe, à qui nous allons dire bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Luzolo. Bonjour à votre chaîne, ainsi que à tous vos téléspectateurs. D'abord, cette question... Pendant qu'il y a eu alternance en RDC, où étiez-vous à ce moment-là? Bon, le jour où il y a eu alternance, j'étais à Bruxelles. Mm-hmm. Je suivais cela en direct à la télévision, parce que notre télévision nationale le retransmettait en direct. Et donc, sur notre site internet, nous avions également mis cela en direct. On animait une émission en direct, en même temps qu'on diffusait les images de Kinshasa. Alors, quelle a été votre émotion? Qu'est-ce que vous avez pensé en ce moment-là? Parce que vous ne l'avez jamais vu jusque-là. Voir qui? L'alternance pacifique à la tête du pays. Il n'y avait que des coups d'État. Oui, vous avez raison. Effectivement, c'est un événement qui entrera dans notre histoire. Pourquoi? Parce que en 1960 déjà, le Premier ministre a été bousculé. Et puis, il y avait eu même un léger coup d'État de Mobutu. En 1965, Mobutu arrive par les armes. En 1997, Mobutu est chassé par les armes. En 2001, Joseph Kabila arrive après un assassinat. Mm-hmm. Et donc, Félix Tshisekedi arrive donc, via les urnes. C'était un événement historique, il faut le reconnaître, quoique... Pour beaucoup de gens, donc il y a à boire et à manger, ils pensent plus à ce qui s'est passé avant quoi. Alors, on parle de la passation pacifique du pouvoir. Pourquoi ne dit-on pas une passation démocratique? Bon, je ne dirais pas que c'est un jeu de mots. Moi, en tant que journaliste, j'ai constaté que ce jour-là, quelques jours avant, on a proclamé un nouveau président. Et ce jour-là, le président sortant a remis les symboles du pouvoir au nouveau président élu. Vous savez, bon, souvent dans la communauté congolaise, on aime bien polémiquer sur les mots, alors que ce qu'on dit, c'est pratiquement la même chose. Et pour moi, j'ai constaté qu'il y a eu passation démocratique du pouvoir. Passation démocratique, passation pacifique, ce n'est qu'un jeu des mots. Nous sommes en train d'évoquer. Pour vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes en train de suivre bel et bien votre mission, point de vue. Et nous sommes en train d'évoquer les 2 ans d'alternance au pouvoir en République démocratique du Congo. Pensez-vous vraiment que cette alternance a été pacifique quand on voit l'intitulé de votre livre RD Congo sans un seul coup de feu? Pensez-vous que c'était une alternance pacifique? Quand on a constaté qu'il y a eu des morts, hein, notamment certains membres de l'opposition, mais aussi certains membres du régime. Hein, on cite aujourd'hui Rossi Mukendi, Kapangala, mais on parle d'une passation pacifique. Quel est votre avis là-dessus? Bon, pas plus tard que ce matin, j'ai conversé sur Internet avec un compatriote qui est en Belgique. Il m'a dit, Cheikh, ton titre là, je ne suis pas d'accord. Moi, je lui demande, tu as lu le livre? Il dit, je l'ai lu et relu. Alors, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, moi, j'ai écrit ce livre-là de 512 pages, parce qu'il faut le rappeler, c'est pas un feuillet, c'est 512 pages quand même. C'est écrit sur 14 mois, et donc les 14 derniers mois du processus démocratique. Et le compatriote me disait que pour lui, ce n'est pas ça. Moi, je dis, moi, je suis journaliste. Le jour où Tshisekedi est devenu président, ce jour-là, il n'y a pas eu de coup de feu. Et la photo qui illustre le livre, ce n'est pas un montage, c'est une vraie photo où on voit les deux présidents, donc se remettant donc
l'emblème du pays. Et donc, un journaliste, il ne met pas les états d'âme, il constate, j'ai constaté qu'il n'y a pas eu coup de feu. Mais mon livre ne s'arrête pas à cette photo. En fait, cette photo, c'est le jour où le livre se termine. Mais il y a avant. Et avant, il y a 14 mois. Entre ce jour-là et 14 mois avant, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu effectivement ce dont vous parlez. Et pourquoi moi j'ai insisté pour sans un seul coup de feu? Eh bien, parce que les gens, ça, ils ne le disent pas suffisamment. Le parti qui est arrivé au pouvoir, parce que Tshisekedi, c'est d'abord un parti, c'est une machine politique, c'est l'UDPS. Et l'UDPS qui a été créé en 1982, qui est arrivé au pouvoir 37 ans après, l'UDPS qui avait eu beaucoup de possibilités d'arriver au pouvoir. L'UDPS, quand on voit dans le processus démocratique du Congo, il y a eu beaucoup d'occasions où on lui a dit non, vous vous prenez le pouvoir, on vous met par les armes. Ils ont toujours refusé. Ils auraient pu le faire, ils ne l'ont pas fait. Et ils ont dit non, nous sommes un parti non violent. Nous sommes un parti démocratique. Nous arriverons au pouvoir par les élections. Ils y sont arrivés 37 ans après. Vous savez, les gens, ils n'insistent pas beaucoup sur ce fait-là. Et sur ça que moi, je centre. Parce que moi, en tant qu'écrivain, moi, je suis pour l'accès au pouvoir par les urnes. J'ai toujours milité pour ça. Il y a eu des amis qui, dès qu'il y a eu des mouvements de rébellion, ils sont allés. Bon, il y en a qui se retrouveront sûrement en prison. Vous voyez. Et donc, il faut qu'on insiste sur le fait que le parti qui est arrivé au pouvoir avait une vision, avait un idéal, et cet idéal s'est réalisé. Et vous devrez savoir qu'aucun militant de l'UDPS n'a tiré un seul coup de feu durant les 37 ans pour justifier leur marche vers le pouvoir. Ça, on ne le dit pas assez. C'est à nous, les Congolais, de le dire. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre-là, pour que, vous savez, il ne faut pas travestir l'histoire. Et souvent, avec l'émotion, certains faits palpables, on les escamote. Le journaliste, il est témoin, il dit ce qu'il voit, il en est le témoin. Et pour que plus tard, quand les gens liront, ils vont se dire, tiens, il y a eu ça qui a amené cela. Mais souvent, beaucoup de nos confrères, sous le coup de l'émotion, ils mettent beaucoup d'état d'âme. Non, ce n'est pas notre travail à nous, les journalistes. Notre travail est d'être des témoins. J'ai été témoin. Et j'ai été témoin, je l'ai écrit. Et donc, ce que j'ai écrit, je n'ai pas mis mes états d'âme. J'ai eu interviewé la plupart des acteurs politiques. Et leurs interviews sont là-bas. J'ai eu à couvrir beaucoup de manifestations. Vous savez qu'en Europe, c'était très chaud durant longtemps. Hein. Et vous savez que les gens du régime, durant longtemps, ils ne mettaient même plus les pieds là-bas. Et ça a eu un grand impact, tous ces mouvements-là. Il y a eu la société civile ici qui a organisé des marches, etc. Il y a eu bien sûr les partis politiques qui ont organisé des villes mortes. Ouais. Donc, tout cet assemblage de faisceaux s'est dirigé vers un seul objectif. Et donc, que le président qui arrive par les urnes. Et donc, j'ai essayé d'être le plus discipliné possible dans mon livre pour ne pas donc déborder, pour ne rester que dans ce fil conducteur-là et qui a été cet aboutissement-là. Et aujourd'hui, pouvez-vous nous dire, avez-vous confiance aux acteurs d'alors ou à la communauté internationale qui avait un regard sur la RDC, prêt même à intervenir si le régime ne devait pas céder les pouvoirs? Et si l'on vous demandait de changer le titre de votre livre aujourd'hui, quel serait le titre? Non, je ne changerai pas de titre parce que c'est le fruit d'une longue réflexion. Je ne peux pas changer de titre pour faire plaisir aux gens. Hein? Et vous savez, nous les écrivains, nous avons un outil, ce sont les mots. Quand je mets un mot, je le pèse. Et quand il y a un autre mot, ça n'a plus le même sens. Et d'ailleurs, même une virgule peut changer. Donc, a fortiori, changer tout un titre, c'est une grande responsabilité pour celui qui écrit. Vous savez, ça, je peux dire, il y a eu une certaine prostitution intellectuelle chez nous. Donc, on peut dire une chose et son contraire, on peut se dire universitaire, etc., affirmer ceci, le lendemain, affirmer cela. Non, c'est pas bon, ni pour moi en tant qu'intellectuel, ni pour la jeunesse qui nous suit. Nous devons être des modèles. Bien sûr, il n'y a plus beaucoup de modèles dans la société congolaise. C'est pour ça que, bon, les gens se permettent de dire vert aujourd'hui, bleu là-bas. Non, je ne suis pas de cette école-là et je ne veux pas être ce mauvais modèle.
Donc le livre tel qu'il est, tel que je l'ai conçu durant 14 mois, c'était quand même 14 mois de travail, 14 mois de travail, c'est des milliers d'heures de sommeil perdu, etc. Et donc, en âme et conscience, selon ma vision, selon mon approche, je m'étais dit, c'est ça. Et je peux dire que les gens qui ont lu, il y en a très peu qui sont venus mettre, donc, remettre en cause ce titre-là. Bon, je comprends que, bon, surtout sur la toile, nous les Congolais on aime bien parler. Quelqu'un voit juste le titre, il commence à parler. Moi, je dis, on ne peut pas parler avec quelqu'un qui n'a pas lu. Il faut lire le livre. Si vous lisez le titre, vous allez vous en rendre compte. Je me souviens, il y a un compatriote, il n'était jamais d'accord avec moi, j'étais son obédience politique. Quand il a vu le livre, il dit, check, moi je suis contre à 100% sur ton livre. Je dis, ok, va lire et reviens. Il est parti, il a lu. Et il ne m'a pas appelé, mais il a mis sur sa page Facebook, good job. Et pourtant, on n'avait pas les mêmes visions. Lui, il voudrait les trucs, les révolutions, etc., etc. Je dis non, lis seulement. Et il s'est rendu compte que c'est ça. Je suis content que la plupart des gens qui ont lu le livre, bon, ils considèrent que c'est là, ce livre-là. Donc aujourd'hui, vous acceptez volontiers les critiques d'où elles viennent, qu'elles viennent. Ça va de soi, ça va de soi. En tant qu'écrivain, oui. Ah oui, c'est la moindre des choses. C'est-à-dire, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas écrit une Bible, mais j'ai écrit un ouvrage avec toute la rigueur qui s'impose à tout journaliste qui rencontre. Mais bien sûr, quelqu'un qui a un autre point de vue, et d'ailleurs, ça c'est une parenthèse, dans notre communauté, le vrai problème, ce n'est pas tellement ce qui est écrit, c'est par rapport à ce à quoi on aspire. Vous savez, beaucoup d'acteurs politiques, quand ils font la politique, ils ont un agenda. Et ils lisent par rapport à leur agenda. Si c'est pas ça, eh bien, vous allez discuter avec lui toute la nuit. Moi, je dis non, c'est bon. Gardez votre point de vue, mais les faits restent les faits. Comme les musiciens disent, histoire Bacha Jakangote, voilà. Alors, par rapport à tout ce qui se passe sur le plan politique aujourd'hui, est-ce que les Congolais pouvaient être encore fiers de cette date du 24 janvier 2019 ? Est-elle encore importante aujourd'hui ? Plus que jamais, elle est importante. La preuve, il y a deux jours pour célébrer cette date-là, j'ai écrit un article sur mon site là-dessus. J'ai montré effectivement que c'est une date qui va entrer dans l'histoire. Mais vous savez, quand on a la paix, on n'en connaît pas le prix. C'est quand on n'a pas la paix qu'on se raconte que tiens, la guerre, les coups de feu, c'est pas bon. Hein? Les gens font la fine bouche hein, parce que ça s'est bien passé. Imaginez qu'il y ait eu un bain de sang. Toi et moi, on ne serait pas sur ce plateau. On serait peut-être réfugiés de l'autre côté du fleuve. Hein? On n'imagine pas tout ça. Et on est même ingrat par rapport à des gens qui ont fait en sorte que ça soit ainsi. Donc, dans la vie, il faut reconnaître ce qui est bien, ce qui est juste, et il faut le dire, il faut témoigner. C'est pas parce que ça ne vous arrange pas que vous dites non, c'est pas ça, non. Hein, nous, les écrivains, les journalistes, les intellectuels, ils ont ce devoir-là. Sinon, si on ne le fait pas, c'est quoi? C'est la jungle. Donc, on peut tout dire, on peut tout faire, et à un moment, même dans la jungle, à un moment, on se dit, tiens, mettons un peu d'ordre. Maintenant qu'il y a un semblant d'ordre, pourquoi donc faire la fine bouche? 2 ans d'alternance à la tête de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila a cédé le pouvoir au président Félix Tshisekedi et le 24 janvier 2021, cela fait 2 ans. Alors, Monsieur Tchèque, venons-en au bilan. Aujourd'hui, les Congolais ont assisté à un duo et maintenant ils assistent à un duel. Pensez-vous que ces 2 ans ont été vraiment efficaces en termes de management? Ils ont été forts pour le président Tshisekedi ou encore le président Kabila? Quand on parle de la coalition. Bon, ça doit être un titre que j'ai vu. Vous savez, bon, on aime bien mettre de bons titres qui attirent. C'est un peu poétique. Mais quand on devrait gratter le vernis, je ne sais pas si on arriverait là. Bon, il est un fait que pour analyser les 2 ans, il faut se situer du côté de la population. Qu'est-ce que la population attendait? La population attendait un changement. Un changement de quoi? Un changement de système. Joseph Kabila, c'était un système. Félix Tshisekedi, c'est un autre système. Est-ce qu'on voit que les systèmes ont changé?
Ça, c'est la première chose. Je pense que oui, parce que il y a des pratiques qui disparaissent progressivement. Bien sûr, il y en a qui résistent parce que les êtres humains ne changent pas comme sur un coup de bâton magique. Je dirais, par exemple, que un grand nombre de gens avaient quitté le pays. Ils sont revenus. Il n'y a pas de tracasserie pour eux. Joseph Kabila serait là. Il y a bien des gens qui seraient en train de manger les pommes en Europe. Donc ça, il faut reconnaître qu'il y a eu un changement. Bon, en ce qui est de la liberté d'expression, j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il y a eu plus de violations des droits de l'homme, mais je pense qu'il faut mettre des paramètres objectifs. Il faut mettre des chiffres. C'est bien beau d'affirmer très gros, mais il faut mettre des chiffres. Combien de gens ont été arrêtés? Combien de gens ont été tués? Combien de gens, lors des manifestations, ont disparu, etc. C'est tout ça. Quand on veut faire un bilan, on met des chiffres, on met des paramètres, on compare. Mais bon, de temps en temps, il y a des gens qui mettent des articles un peu orientés et ça déboussole un peu. Il faudrait qu'on soit plus objectif, moins passionné, moins engagé pour donner des éléments comme cela. Moi, je dirais, par exemple, ce que la population attend. La population attend bien vivre, bien manger, et avoir des bons transports. Là, c'est un fait. Donc, avoir accès à la santé. Eh bien, pour faire un bilan, il faut dire d'où l'on vient, où l'on est et où l'on va. Parce que finalement, le bilan, le vrai bilan, on le fait à la fin du mandat. Parce qu'à mi-parcours, il y a des choses qui s'accélèrent à mi-parcours. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas visibles à mi-parcours et qui s'accélèrent un peu plus tard. Mais je pense, à mon humble avis, qu'on a vu des investissements dans les infrastructures, j'ai remarqué, en venant ici. Les sauts des moutons. Oui, par exemple, non seulement ça donne une certaine beauté à la vie, mais c'est utile. Et est-ce que ça résout le problème? Bon, en circulant, je me rends compte que... C'est seulement à Kinshasa. Le problème, oui, on va y aller étape par étape. Il faut reconnaître que peut-être que le mal était plus profond que ça. Quand je vois la population de Kinshasa, je crois que ça avoisine actuellement les 12 millions, ça devient ingérable. Quand je vois que l'État n'a pas investi dans les transports, des vrais transports en commun, il y a problème. Quand on voit que même dans la circulation routière, bon, les citoyens eux-mêmes qui se plaignent sont les premiers qui ne respectent pas le code de la route, il y a problème. Donc il y a un certain nombre de problèmes sur lesquels il faut pointer le doigt, dire ça doit changer. Il y a des choses qui doivent changer. Et donc durant les 2 ans où le président Tshisekedi a régné, est-ce qu'il y a eu des changements? Lors de l'interview à Bruxelles qu'il nous avait accordé, c'est la question que je lui avais posée. Vous avez fait 20 mois, 50 réunions du gouvernement. Est-ce que vous êtes content de votre bilan? Il avait répondu. Il avait dit c'était mi-figue, mi-raisin. Ça, c'est lui. Donc, lui-même, le maître d'ouvrage. Donc, voilà. Donc, pour vous, il est trop tôt de demander un bilan au président Tshisekedi? Non, pas trop tôt. C'est-à-dire, le vrai bilan, c'est vers la fin du mandat, mais en tant que citoyen, on est en mesure d'exiger des signes palpables que ça va dans le bon sens. Vous savez, il y a des projets immédiats, à court terme, à moyen terme et à long terme. Et donc, dans le court terme, il y a certaines petites avancées, mais c'est pas ça, comme vous-même vous l'avez dit, Kinshasa n'est pas à la RDC Congo, et donc il aurait fallu donc jeter un coup d'œil. Je sais ce qui se passe dans certaines provinces, j'ai vu encore que dans les provinces, il y a la responsabilité du pouvoir provincial. Il y a aussi l'impulsion du pouvoir central. Donc, bien sûr, tout ça, on dit tout ça, c'est Tshisekedi. Le bourgmestre qui travaille pas bien, c'est Tshisekedi. Bon, on aime bien de cette façon-là, mais nous, en tant que journalistes, nous devrions bien stratifier le niveau de responsabilité et dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Parce que, par exemple, ça fait 35 ans qu'il n'y a pas de bourgmestre élu. Or, 90% des problèmes des citoyens se posent au niveau de la commune. Et bon, le bourgmestre qui est là, il a été nommé.
il n'a pas de compte à rendre à la population. Il n'a de compte à rendre qu'à celui qui l'a mis. Vous voyez? Et donc, des gens comme ceux-là sont aussi le frein à tout ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment moduler, tenir compte de tous ces petits paramètres-là. Vous savez, le Congo, c'est notre pays. On n'a pas... on doit se dire les choses telles qu'elles sont, mais on ne doit pas non plus cacher certaines choses. Disons les choses telles qu'elles sont, où sont nos responsabilités à plusieurs niveaux, et allons aux vraies conclusions. Je constate, beaucoup de gens, ils constatent qu'il y a... Ils voient deux poules, ils disent, voilà, il y a un poulailler. Non. On va vite aux conclusions. Avant d'aller aux conclusions, faites des analyses, observez. Il y a eu combien, il y a eu quoi, quand, tout. Sur base d'une série de données très longues et très, très complexes, là, on tire une conclusion. Et donc, moi, je ne suis pas des gens où je vois juste un petit truc, je tire une grande conclusion avec des titres pompeux. Non, c'est dangereux, ça ne nous avance pas. Alors, on parle de l'état des droits. Une certaine opinion aujourd'hui dit que cet état des droits est sélectif. Le président fouinait dans le passé. Et pourtant, il avait dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé. Que dites-vous? Bon, moi, personnellement, je me dis... ce qui a été fait, a été fait. À supposer que moi, quelqu'un qui était du pouvoir... Il m'a arraché ma maison dans les années 2000. Je fouille, je reviens. Je porte plainte contre cette personne qui, durant longtemps, était au pouvoir. C'est moi qui fouine, c'est pas le président. Encore que les pouvoirs sont séparés. Ce qui revient à la justice, revient à la justice. Mais en homme politique, je pense que fouiner, c'est de donner un mauvais signal. On appelle ça chasse aux sorcières. Hein? Comme vous étiez là avant, donc vous êtes mauvais. Comme nous pensons que vous êtes mauvais, on va chercher où vous êtes mauvais. C'est ça, fouiner. Mais il y a des faits qui sautent sous les yeux, qui d'eux-mêmes s'imposeront. Bon, là, ça peut arriver. Mais politiquement, le président, en disant cela, il pensait plus à l'énergie dont il a besoin pour travailler pour les Congolais, qu'au lieu de prendre cette énergie-là, aller faire la police dans le passé. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Parce que le président est là pour nous donner à manger, pour développer le pays, essentiellement. Il y a eu des gens qui ont enfreint la loi, etc., etc. Oui. Bon, mais est-ce qu'il va passer tout son temps à cela? Je ne pense pas. Sinon, eh bien, quand le mandat sera terminé, il aura passé son temps à tournoyer dans le passé. Chers téléspectateurs, vous êtes bel et bien en train de suivre votre mission Point de vue et nous sommes en train de parler des 2 ans d'alternance au pouvoir en République démocratique du Congo. Monsieur Tchèque Fita, même si vous essayez un peu de dévier ma question, non, aujourd'hui, directement. La rupture est consommée entre les deux partenaires au pouvoir. On ne voit plus ces accolades-là entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, ces rencontres-là quelque part dans une maison en train de causer en frère. D'ailleurs, le partisan du président Félix lui-même l'avait dit, il a été empêché de travailler pendant 2 ans et ceux de son côté travaillent pour faire partie des gouvernements en place. De l'autre côté, on crie à l'illégalité. Quel est votre point de vue aujourd'hui en tant qu'analyste mais aussi journaliste? Moi, en tant que journaliste, quand on a donné les résultats, j'ai constaté que le président Tshisekedi était élu président. J'ai constaté que le président Kabila avait la majorité au Sénat, à la Chambre basse. Pour moi, il y avait soit cohabitation, ce qui n'est pas un péché, soit coalition. C'était à eux de décider. Ils ont décidé de faire une coalition. Ils devraient en assumer les conséquences. Quand vous faites une coalition, c'est pourquoi ? C'est mettre vos efforts ensemble pour des résultats. Les résultats, est-ce qu'on les a vus? Mais on a constaté effectivement que certains de l'ancien régime, pour eux, c'était Joseph Kabila qui était toujours le président. Ce qui n'est pas une bonne chose. On n'a qu'un seul président dans un pays à un moment donné. La plateforme politique vous donne les orientations, votre idéologie. Mais quand vous vous êtes mis ensemble,
ils ont fait le gouvernement ensemble, ils ont fait le programme gouvernemental ensemble. Et ce programme a été présenté au Parlement, il a été adopté. Mais qu'est-ce qui les empêchait d'exécuter leur propre programme? Ils n'avaient qu'à l'exécuter. S'ils ne l'ont pas exécuté, moi je pense qu'ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Parce que moi, j'aurais été dans un tel gouvernement, avec un portefeuille, je saurais exactement ce qu'on demande à mon portefeuille. Je le fais. C'est tout. Je n'ai plus besoin de faire marche arrière, d'aller écouter aux portes, etc. Non. Un programme gouvernement, il est impersonnel. C'est pour la population, c'est pour le pays. Moi, je pense que ceux des membres du gouvernement qui n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire, leur travail, ils n'ont pas fait leur travail. Et si on en arrive où on en est arrivé, ils devraient être courageux, faire de l'autocritique, se dire, tiens, là, nous aurions pu faire ceci. Et si on devrait analyser ministère par ministère, on se rendrait compte, tel ministre a fait ça. Tel ministre ne l'a pas fait, pourquoi il ne l'a pas fait? Quand on analyse, on se rend compte que, bon, il n'a pas le courage de s'assumer. Ça, bon, ceux qui ne l'ont pas fait, ils sont responsables. Mais malheureusement, leur coalition est tombée. C'est leur coalition, eux-mêmes, qui ont fait tomber leur propre coalition. Je vous rappelle qu'en Belgique, le président vous avait dit, vous lui avez posé la question par rapport à la coalition, il vous a dit dissoudre la coalition va entraîner une crise politique. Donc nous y sommes aujourd'hui. Oui, malheureusement que la politique évolue par rapport aux paramètres de ce moment-là. Sa réponse semblait sage. Et certains de nos confrères, d'ailleurs, auraient bien aimé que, bon, il s'écoule, son partenaire. Oui, ça n'a pas été fait. Mais il faudrait reconnaître que certains, je le répète, certains acteurs politiques qui avaient de grandes responsabilités n'ont pas été loyaux. Ils n'ont pas été loyaux, non seulement vis-à-vis du président, qui était leur chef, mais aussi vis-à-vis de la population. Parce que nous, la population, nous attendons les résultats. Si vous passez le temps à des chamailleries, est-ce que c'est pour ça que notre argent que vous prenez par les impôts vous est donné? Non. Là, ils étaient hors plaque. Ils n'avaient qu'à faire le travail. Et donc, les choses ont mal évolué entre le moment où le président Tshisekedi est passé en Belgique et le moment où le bureau de Mabunde est tombé, il y a eu beaucoup de couacs, il y a eu beaucoup de mésententes. Alors qu'entre adultes, on aurait pu s'entendre. Apparemment, certains prenaient plaisir à ce qu'il y ait ce bras de fer. Mais vous savez, quand il y a un bras de fer, hélas, il y a toujours un bras qui décide qu'on fait descendre et un autre qui gagne. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Entre adultes, les deux présidents, l'actuel et l'honoraire, pouvaient bien s'entendre, mais dans la vie des hommes, il y a toujours des couacs. Nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est comme ça. Il y a dissolution du gouvernement, disons, de la coalition FCC Cash et les bureaux de l'Assemblée nationale également tombés. Nous attendons voir. D'une part, on crie à l'illégalité. À d'autre part, on dit. Les gouvernements nous empêchent, la coalition nous empêche de travailler. Nous allons voir les acteurs politiques congolais, comment ils pouvaient s'en sortir. Chers téléspectateurs, vous êtes bel et bien en train de suivre votre émission Point de vue et nous sommes en train de parler de 2 ans d'alternance au pouvoir. Et vous, en tant que diaspora congolaise, qu'est-ce que vous attendez de ces 2 ans qui restent au président Tshisekedi? Vous savez, il est grand temps que le pays avance. 2 ans, c'est beaucoup. 2 ans perdus, c'est beaucoup. Aux États-Unis, le mandat, c'est 4 ans. Hein. Donc, on serait aux États-Unis, on serait à mi-mandat. Même ici, c'est pratiquement à mi-mandat. Les 2 ans qui restent, il faut que les gens se mettent au boulot. Il faut travailler. Est-ce qu'il n'y a que les cultivateurs qui doivent travailler, pas les politiciens, qui sont grassement payés? Il est grand temps qu'on se mette d'accord. Moi, je vous dis honnêtement l'idée du président de dire union sacré pour la nation. C'est une sorte de consensus minima à mettre entre acteurs politiques. Donc voilà, on va faire une sorte de plateforme où on a des objectifs bien définis pour la population. Et on se met d'accord
nous allons faire autant de kilomètres de route, nous allons construire autant d'écoles, nous allons relever les salaires des fonctionnaires, nous allons améliorer les transports. Est-ce que ça c'est mauvais? C'est vraiment mauvais de se mettre d'accord sur ce minimum-là, parce que c'est ce minimum-là qui nous manque. Ça aurait été dans des pays comme où je vis, comme la Belgique, où le combat est plus idéologique, je comprendrais. Mais ici, le combat n'est pas idéologique. Le combat, il est basique, il y va de la survie des individus que vous et moi nous sommes. Parce que souvent, on oublie que quand ça marche mal, c'est nous qui payons. Vous savez, quand il y a une crise politique, quelle est la première réaction au niveau international? Les investisseurs disent, ah, là-bas, ça ne marche pas. Attendons. Quand un acteur politique dit, bon, voilà, nous allons les empêcher, les investisseurs, ils entendent. Ils disent, non, il y a un gaillard là qui a dit, même si c'est un rigolo. On l'a entendu. Maintenant, ce que nous voulons, il faut que les politiciens se taisent, qu'ils ne continuent pas à mettre l'huile sur le feu. Ils ne doivent pas brûler le pays, nous voulons vivre. Ils doivent dire, bon, voilà, nous nous engageons à mobiliser l'argent. Nous nous engageons avec cet argent à améliorer le social de nos compatriotes. C'est tout ce qu'on leur demande. Est-ce que c'est compliqué? En 60, ceux qui ont pris l'indépendance, ils n'avaient pas autant de diplômes. Ils s'étaient mis d'accord sur un minimum. Maintenant, 60 ans après, les gens avec des multiples diplômes, plusieurs, donc je crois il y a quoi? Deux générations de diplômés. On est incapable d'être humain. On est incapable de penser aux autres. Donc ils arrêtent de faire ce cinéma-là. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour travailler pour la population. Vous savez, un ministre, ce sont nos ouvriers à nous. On te paye cet argent pour arranger tel problème. OK. Et nous, on va cultiver les champs. On revient des champs, le gaillard à qui on a payé pour mettre les routes, il ne fait pas les routes. C'est quoi ces histoires? Il dit non, mais ça, maintenant nous sommes en conflit politique. Et les conflits politiques vont construire les routes. Donc, quelque part, il faudrait que la population prenne conscience que c'est elle le souverain primaire. Il ne faut pas se prendre, être pris en otage par les politiciens d'une façon éternelle. Eh bien, il leur reste 3 ans. 3 ans, nous avons besoin de résultats. 3 ans, nous avons besoin de mobilisation de l'argent. Pour nous, de la diaspora, je le dirais, nous vivons dans des pays... Oui. Nous vivons dans des pays où on voit l'argent du contribuable, ce qu'il fait. On voit les hôpitaux, on voit les routes. Et quand je paye l'impôt, je sais que le jour où j'ai un problème, l'État résout. Eh bien, dans la diaspora, on a mis on a vu tellement de choses que si le pays va bien, nous connaissons tous ces investisseurs. Moi, personnellement, j'ai eu à visiter des grands entrepreneurs en Flandre, en Wallonie, etc. Et ces gens, ils me disent, Cheikh, chez vous là, mettez un peu d'ordre, nous allons venir. Moi, avant de venir la dernière fois, j'étais dans une entreprise qui construit des rails pour les trams. Il n'y a pas de tram ici à Kinshasa. Vous trouvez ça normal? Une ville de 12 millions d'habitants. On n'a que les motocyclistes à croire qu'on a décidé de rester dans l'Antiquité. Et donc, ces gens-là, ils sont là, ils ont la technicité, ils ont les moyens. Mettons-nous d'accord, taisons-nous de dire des bêtises. Ils viendront, ils feront les trams. Le transport va diminuer, les gens seront contents. À croire qu'on ne veut pas que les Congolais soient aussi contents. Non, on doit tout le temps aller vivre du travail des autres en Europe. Non, nous, si on est revenus, c'est parce que nous pensons que dans ce pays, on peut tracer des rails pour les trams, on peut tracer des rails pour les trains, on peut acheter des trains, et les gens montent dans les trains comme des gens civilisés au XXIe siècle. Donc ça, c'est ce que nous demandons au président Tshisekedi et à tous ceux qui seront avec lui. Fini les palabres. Allez au travail, mobilisez l'argent, et quand les gens verront que les politiciens sont sérieux, des gens sérieux viendront aussi. Vous savez, la ville de Genève, par exemple, elle a un budget qui est presque le budget de notre pays. C'est 8 milliards de francs suisses. Est-ce que vous imaginez ça? C'est ce que nous, on a comme budget, tout un pays... 80 millions d'habitants. Donc ils se sont organisés. 2 345 000 km². Ils travaillent. Ça gêne. Nous devons nous mettre ensemble, et surtout les politiciens. C'est surtout les querelles intestines qui n'engagent pas la population, qui n'arrangent pas non plus la population. Et le président, pendant les 3 ans qui restent, a qu'à mettre en place des programmes précis pour à faire avancer ou pour matérialiser son programme qui est le peuple d'abord. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre mission, de notre mission.
point de vue. Nous avons reçu pour vous Cheikh Fitta. Il est philosophe, journaliste, mais aussi dramaturge. Et avec lui, nous avons parlé des 2 ans d'alternance au pouvoir en République démocratique du Congo. Nous allons lui dire merci beaucoup pour votre présence parmi nous. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Luzolo, parce que, bon, en tant que journaliste, c'est parfois un peu embêtant de passer devant les caméras. Moi, je préfère aussi être de l'autre côté pour pousser un peu les gens. Mais bon, comme on a quand même du recul par rapport à ce qu'on a comme expérience, ce qu'on a écrit, bon, c'est toujours un plaisir de venir témoigner de ce que nous avons vu, de ce que nous avons fait. C'est ça aussi notre pierre à l'édification d'une grande nation, d'un grand Congo toujours plus beau et plus prospère. Merci à vous encore, chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe d'EBC Télévision. Merci au directeur général, M. Yvon Ramazani, et à toute sa famille. Nous sommes ensemble avec vous pour le prochain numéro et à très vite.